Santiago, 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 mais pas dans les pas de mes pères. Je m'en vais au bout de la terre, oh Santiago, mon âme craque en de prière, jusqu'aux portes de la lumière, Santiago, oh Santiago, Santiago. Pourquoi aller à Saint-Jacques? Cette question entre pèlerins, on ne se la pose pas. Chacun, bien sûr, transporte ses intentions. Mais au-delà des intentions, nous ignorons la vraie raison qui nous fait embrasser la route interminable, battue par tant de semelles, et dont la destination ne fait même pas rêver nos enfants. Est-ce un appel? Est-ce un désir qui nous précède? Un besoin qui nous attend? Que vous répondre? C'est que nous n'avons point l'habitude d'explorer les méandres de notre âme ou ceux de notre cœur. Alors comment formuler une chose aussi obscure, aussi secrète? Nous préférons nous taire. Le mystère, pour fleurir, réclame du silence. Et ce n'est pas trop long que cette longue marche. Et il n'est pas trop vieux, ce vieux pèlerinage, pour nous ouvrir le cœur et reconnaître en nous ce qui nous pousse et nous conduit tout au long du chemin. Nous n'irions pas à Saint-Jacques si nous savions pourquoi. Oh, Santiago, Santiago.